Bien que le prince Harry et Meghan Markle aient reçu une invitation au couronnement, les Sussex n'ont pas précisé s'il y participerait. Il est peu probable que Meghan Markle assiste au couronnement du roi Charles, selon un biographe royal. Angela Levine a affirmé que l'apparition de Meghan à l'événement serait horriblement embarrassante pour la duchesse alors que la famille royale cherche à se distancer des Sussex. Madame Levine a affirmé qu'il était assez facile pour la duchesse de critiquer la famille royale de loin, mais les affronter à l'abbaye de Westminster serait une toute autre chose. Je ne pense pas qu'elle ait la force et le courage de venir, a déclaré Angela Levine. Je pense qu'il est assez facile d'inciter à la méchanceté lorsque vous êtes à des milliers de kilomètres, scène est une autre lorsque vous êtes absolument là et que vous avez des regards froids et que personne ne veut vous parler, à part discuter de la météo. Elle a poursuivi, elle est assez gauche quand il s'agit d'être avec des membres de la famille royale et parce qu'elle ne se sent pas numéro un, elle est mal à l'aise. Et, bien sûr, elle n'a pas eu assez d'expérience pour se sentir à l'aise et en confiance parce qu'elle est partie trop tôt au Canada. Le couronnement, qui aura lieu cette année le 6 mai, tombe le même jour que l'anniversaire du prince Archie Harrison, le fils aîné de Meghan. Madame Levine a affirmé que la duchesse utiliserait probablement ce fait comme excuse pour lui permettre de manquer l'événement. Donc je pense que, c'est une merveilleuse excuse si elle dit qu'elle doit être là pour l'anniversaire des Archie, bien sûr, un enfant de 4 ans ne sait pas quand est son anniversaire et ça n'aurait pas d'importance. Mais, c'est une très bonne excuse pour qu'elle ne vienne pas, a déclaré Madame Levine sur Talk TV. Ajoutant, je pense qu'elle va trouver ça horriblement embarrassant.